Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs et notamment Pierre Combris de m'avoir invité à donner cette présentation aujourd'hui. Donc, je suis directrice de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, qui est une unité mixte de recherche entre AgroSup Dijon, le CNRS, l'INRA et l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais parler de l'éducation alimentaire dans les trois premières années de la vie, en essayant de rester focalisé sur cet aspect-là. Et Nathalie poursuivra en parlant un peu plus de l'éducation au sein de la famille, mais sur les années qui suivent. Alors, tout d'abord, je voulais partager ma vision de l'alimentation, puisque c'est de ce sujet dont il s'agit aujourd'hui. L'alimentation, elle a plusieurs fonctions dans notre société, et je pense que c'est vraiment important de garder en tête ces fonctions quand on va parler d'éducation alimentaire. Donc, elle a d'abord une fonction nutritionnelle, évidemment. C'est la première fonction qui est incontournable, mais elle contribue aussi à du plaisir, et beaucoup de nos choix alimentaires sont guidés par cette recherche du plaisir. Elle contribue aussi à une fonction de socialisation, importante, très importante pour l'enfant, et à une fonction identitaire, donc la définition de l'identité individuelle, qui va guider aussi les choix de l'individu. Je pense que c'est important de garder en tête ces quatre fonctions quand on va parler d'éducation, parce qu'on a parfois tendance à survaloriser certaines fonctions de l'alimentation plutôt que d'autres. Et c'est peut-être ce qui explique en partie les échecs des approches éducatives précédentes qui oublient finalement certaines de ces fonctions. Parmi les enjeux éducatifs liés à l'alimentation, on peut aussi garder en ligne de mire, en filigrane, le repas gastronomique des Français. Alors moi, je vais parler des trois premières années de la vie. Évidemment, on est encore assez loin du repas gastronomique à ces âges-là. Mais c'est finalement la base culturelle qui nous réunit. Et on voit d'ailleurs que dans cette définition donc, de l'UNESCO, le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature. Donc on voit bien que dans cette définition, on a déjà aussi une approche plus large que simplement la fonction, par exemple, nutritionnelle ou même plaisir. Donc on inclut les convives dans cette définition. Évidemment, en matière d'enfants en matière de santé, on a aussi des enjeux autour de l'alimentation, notamment cette perspective et cette réalité de la prévalence de l'obésité infantile. Donc, j'ai rappelé des chiffres en France. 17% des enfants de 6 à 17 ans qui sont en surpoids obèses, dont à peu près 3% qui sont obèses, avec un espoir quand même sur une stabilisation récente de la prévalence de l'obésité qui semble notée dans plusieurs études. Et quelle est la place de l'alimentation dans ce contexte de la prévention de l'obésité infantile? Donc, si on reprend l'approche de l'Organisation mondiale de la santé, on voit différentes actions qui sont mises en avant pour prévenir l'obésité infantile, et notamment la promotion de la consommation d'aliments sains et également le fait de mettre l'accent sur la qualité de l'alimentation précoce, c'est vraiment le terme « early » ici qui va nous intéresser, ainsi que la promotion de l'activité physique. Donc des enjeux qui sont partagés au niveau de l'OMS. Donc je vais le redire d'une autre manière, parce que c'est vraiment important, je pense. Pourquoi s'intéresser à l'éducation si tôt que les premières années? Je signale donc ce concept de l'origine développementale de la santé et des maladies, ou DOAD en anglais, dont une des traductions peut être que les 1000 premiers jours de la vie constituent une fenêtre d'opportunité très importante pour les interventions, parce que l'organisme en développement est particulièrement sensible aux effets de son environnement, et notamment de son environnement nutritionnel. Et donc l'organisme va se former dans un environnement nutritionnel particulier, mais le comportement va également se former au cours de cette période de sensibilité extrême aux effets de l'environnement. Et donc on a une période, une fenêtre ici, particulièrement importante pour le développement des comportements et de l'état de santé ultérieur. Alors, pour en venir plus particulièrement à l'alimentation des enfants, que se passe-t-il au cours de cette période précoce ? Des 1000 premiers jours. Donc l'enfant, le mode d'alimentation va changer, évoluer avec au départ une alimentation ombilicale, puis une alimentation lactée à partir de la naissance,
qui va être suivie par la diversification alimentaire autour à peu près du milieu de la première année, et pour que enfin l'enfant rejoigne la table familiale et soit capable de partager les aliments de sa famille. Donc, tous ces apprentissages ont lieu avant l'apparition de la néophobie alimentaire ou le refus des aliments nouveaux, dont Nathalie parlera plus tard également. Et donc, on voit que dans une période de temps relativement courte, des transitions majeures s'opèrent en termes de comportement alimentaire. Et au cours de cette période, l'enfant doit apprendre à manger. Il doit apprendre comment manger, quoi manger, dans quelle quantité, à quel moment et dans quel contexte. Donc, toutes les bases, finalement, de son comportement alimentaire ultérieur trouvent leur origine dans cette période précoce. D'où l'importance de s'y intéresser. Dans des travaux précédents, nous avons observé que le comportement alimentaire, à l'issue de cette période, c'est-à-dire observé chez des enfants âgés de 2 à 3 ans, prédit, dans une large mesure, le comportement alimentaire observé jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, nous avions un suivi de cohorte d'enfants donc depuis la crèche, la dernière année de crèche, jusque pour certains l'âge de 22 ans. Nous avons observé donc la prédiction de ces comportements futurs. Et donc, ce qui nous amène à vraiment comprendre, enfin, la nécessité de comprendre les conditions de la formation précoce du comportement alimentaire dans ces premières années de vie. Alors, comment définir les manières de nourrir dans cette période précoce? On peut l'aborder de plusieurs manières. Donc, on peut s'intéresser aux conduites alimentaires. Quand nourrir? Que donner à manger à l'enfant? Avec quelle fréquence? On peut s'intéresser à la façon, à la manière de nourrir, donc au-delà de simplement des aspects qui peuvent être quantifiés. Donc, le contexte social, le contexte émotionnel des repas, les réponses au comportement de l'enfant et les styles éducatifs. Et pour des comportements sains, évidemment, comme le disait Daniel Néroux tout à l'heure, c'est évidemment l'objectif ultime, finalement, de former des mangeurs qui adoptent un comportement sain. Donc, on peut noter en particulier l'éveil à la consommation de fruits et légumes, qui est en général un challenge particulier, surtout pour la consommation de légumes au sein des familles. Le fait que l'enfant soit peu difficile, qu'il soit capable de s'approprier les aliments de l'adulte en termes de texture et d'éviter des surconsommations qui pourraient conduire à l'obésité. Donc, je vais aborder quelques résultats sur ces différents aspects. Donc, par exemple, quand commenter la diversification il a été postulé par certains chercheurs, notamment Gillian Harris en Angleterre, que la période de 17 à 26 semaines, donc entre le 4e et le 6e mois, est favorable pour l'introduction de nouveaux goûts dans l'alimentation des enfants, donc indépendamment de la texture. Donc, je parlais ici de nouvelles flaveurs. Donc, je montre ici des résultats issus de données d'une cohorte que nous avons constituée à Dijon, qui s'appelle Opaline, pour l'Observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de l'enfant. Donc, nous avons demandé aux parents de ces enfants, donc la cohorte avait à peu près un peu plus de 300 enfants inclus à l'origine, à la naissance. Et donc, nous avons demandé aux parents d'indiquer les réactions de leur enfant à l'introduction des premiers aliments de diversification, donc dans un gros carnet qu'ils devaient remplir tous les jours, donc ce qui était relativement fastidieux. Ce que nous avons observé, c'est qu'entre les âges de 5 et 7 mois, les réactions des enfants à l'introduction des nouveaux aliments étaient positives dans 88% des cas. Donc, quasiment tous les aliments, pardon, sont acceptés par les enfants. Nous avons également mesuré ces réactions aux nouveaux aliments jusqu'à l'âge de 15 mois, toujours avec le même système. Et ici, donc, je l'illustre pour les fruits, les légumes, les desserts, produits laitiers, poissons, féculents, céréales, viande et biscuits. Donc, on observe sur une échelle qui va de rejeter à aimer qu'à cet âge-là, donc jusqu'à 15 mois, tous les aliments sont largement appréciés par les enfants. On observe que les fruits et légumes commencent à être légèrement moins appréciés, mais restent tout de même très, très appréciés. Donc, pas de néophobie. Dans cette période précoce, l'enfant est vraiment ouvert aux apprentissages. On observe également que l'appréciation des légumes, ici, est plus élevée quand ils ont été introduits à 5 mois plutôt qu'à 6 mois. Donc, dans cet échantillon, c'est observationnel, on n'a pas manipulé l'âge d'introduction des légumes, mais ce qui semble
finalement corroborer cette hypothèse de période favorable pour l'introduction des nouvelles flaveurs dans une fenêtre de temps de 4 à 6 mois. En ce qui concerne les textures, donc, l'hypothèse 2 soulevée par Gillian Harris est que la période de 26 à 45 semaines, autrement dit de 6 à 10 mois, est une période favorable pour introduire une diversité de textures dans l'alimentation des enfants, donc indépendamment de la flaveur, les flaveurs nouvelles ayant été présentées précédemment. Donc, au cours de cette période de temps, on voit un grand nombre de développements concernant les capacités orales du nourrisson. La physiologie orale évolue fortement, les dents vont percer, la langue devient mobile à l'intérieur de la cavité orale qui s'agrandit, donc ce qui va permettre le déplacement du bol alimentaire et finalement son positionnement au niveau des occlusions dentaires, ce qui permet finalement de commencer à mâcher et à développer ses capacités de gestion des textures. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fenêtre de temps favorable pour l'introduction des textures ? Donc, je ne vais pas détailler tout. Simplement, des résultats d'une étude anglaise observationnelle montrent qu'introduire les textures au-delà de 9 mois est associé à plus de refus alimentaires et une moindre appréciation des fruits et légumes. Si on renverse la proposition, il est préférable d'offrir ces textures variées précocement, avant 9 mois. Et en suivi de cette étude, on peut signaler également deux études interventionnelles, une qui a été publiée et qui montre que le fait de solliciter les enfants avec des morceaux plus gros et plus durs autour de l'âge de 8 mois est associé à un meilleur développement de la fonction masticatoire et de l'appréciation de légumes, carottes et pommes de terre. Et avec des collègues à Dijon, nous sommes en train de conduire une étude interventionnelle pour évaluer si le fait d'informer les parents sur la meilleure manière d'introduire les textures au cours de cette période importante de la diversification permet effectivement de moduler leurs pratiques. Donc, est-ce qu'ils vont s'emparer de cette information, de cette connaissance qu'on va mettre à disposition ? Et si oui, est-ce que ça module en regard le comportement alimentaire de leur enfant, notamment les capacités orales de dégradation des textures ? Donc, on aura les résultats de cette intervention début 2018. Donc, comme je l'ai précisé, autour de la fin de la deuxième année, la néophobie alimentaire se développe. Donc, on peut le lire de plusieurs manières. Nathalie reviendra peut-être dessus aussi. Donc, le pourcentage d'enfants néophobes ou jugés néophobes par leurs parents augmente jusqu'à cette période de 24 mois. Donc là, je l'ai fait s'arrêter ce pourcentage à peu près 75%. Donc ça veut dire que la néophobie concerne une majorité d'enfants, mais pas nécessairement tous. Mais donc on peut expliquer aux parents que c'est quelque chose, un phénomène normal qui se met en place chez leurs enfants. Et dans le dispositif dans lequel nous avions observé les choix alimentaires d'enfants en crèche, donc on observait les choix en comptant effectivement ce que les enfants choisissaient eux-mêmes pour le repas du déjeuner, puisque là, dans cette situation, ils avaient la possibilité de se servir eux-mêmes, aidés par les adultes si besoin. On observe une diminution de la variété des choix effectués par les enfants eux-mêmes entre 24 et 30 mois. Une plus grande sélectivité de la part des enfants, donc, qui traduit là encore ce phénomène de néophobie. Pardon. Alors, comment diversifier, maintenant qu'on sait quand diversifier ? Quelles sont les pratiques précoces qui favorisent l'adoption de comportements alimentaires sains ? On peut citer un allaitement au sein préalable, je ne vais pas détailler, des expositions répétées à un aliment, le fait de répéter les présentations est un facteur fort des apprentissages, et la variété d'aliments offerts dès le début de la diversification. Donc, je n'ai pas tellement le temps de parler de l'allaitement, mais je peux revenir dessus si vous avez des questions. Donc, les expositions répétées, donc le fait de présenter de manière répétée un aliment à un enfant est un moteur fort de l'apprentissage. Dans cette étude qui avait été conduite par mes collègues à Dijon, on avait demandé à des mamans de jeunes enfants au moment de la diversification d'identifier un légume que leur enfant aimait, un légume que leur enfant n'aimait pas. Donc souvent, le légume aimé était de la carotte et le légume apprécié était plus souvent un légume vert ou d'une autre couleur, mais en tout cas pas la carotte. Et donc les mères devaient présenter en alternance le légume aimé et le légume non apprécié et on mesurait les quantités consommées.
Donc on voit que dès le départ, effectivement, ce qui corrobore les observations des mères, il y avait une grande différence de consommation entre ces deux légumes. Mais au bout de 8 expositions, les quantités consommées pour le légume qui était initialement peu apprécié augmentent quasiment linéairement là, en moyenne sur ce groupe d'enfants. Et on n'observe plus de différence au bout de 8 expositions entre le légume qui était initialement rejeté et celui qui est initialement apprécié. Donc c'est vraiment le moteur fort des apprentissages. Et là, souvent, les parents s'arrêtent un petit peu plus tôt, en fait, au bout de 3-4 essais, et décident que leur enfant n'aime pas, et donc ne persévère pas, donc ne favorise pas des conditions d'apprentissage du goût de ces aliments. Je vais passer ça pour ne pas être trop... Non, je vais quand même signaler. On a essayé de comprendre si on pouvait modifier ces effets d'apprentissage par exposition répétée en modulant le goût de l'aliment. Donc on a essayé de rajouter un petit peu de sucre dans une purée de légumes pour voir si ça favorisait un apprentissage plus important, mais il n'y a pas d'effet additionnel du goût sucré. Et on a modulé aussi les propriétés nutritionnelles de l'aliment en renforçant la densité énergétique. Donc en triplant la densité énergétique par ajout de lipides. Et ce qu'on observe, c'est ce qui est représenté sur les barres en noir ici, c'est que comparativement aux autres groupes, pour ce groupe d'enfants, on a une relative stagnation de la consommation, donc ce qu'on appelle ici un rassasiement conditionné. L'enfant apprend à détecter l'énergie contenue dans les légumes qu'on lui a présentés et à moduler les quantités consommées en fonction de cette densité énergétique. Ces apprentissages étaient stables jusqu'à 3 mois après l'exposition à une purée rendue plus énergétique. Donc l'enfant dispose bien d'une mémoire sensorielle et des propriétés nutritionnelles de l'aliment, énergétique en tout cas, qui lui permet d'adapter son comportement en fonction des propriétés qu'il détecte lors de la consommation de l'aliment. On a étendu cette étude avec des enfants plus âgés et les résultats étaient les mêmes en termes de mécanismes d'apprentissage, mais chez les enfants plus âgés, les quantités de légumes consommés étaient moins élevées. En fait, ce qui paraît contre-intuitif, puisqu'on pourrait imaginer que les quantités augmentent, probablement parce que les enfants plus âgés ont appris à se nourrir dans un environnement où un plus grand nombre d'aliments étaient disponibles, donc une plus grande compétition, et a peut-être modulé aussi leur choix en fonction des attentes d'autres aliments au cours du repas. Un autre facteur très important pour développer le goût et la capacité à apprécier un aliment nouveau, c'est le fait d'exposer des enfants à une variété de légumes, enfin une variété d'aliments, dès le début de la diversification. Donc dans cette étude, là encore conduite par mes collègues de Dijon, on a constitué 3 groupes d'enfants au début de la diversification. Un groupe d'enfants exposés tout le temps au même aliment, un groupe d'enfants exposés à une variété d'aliments qui changeait, donc 3 fois de l'artichaut, 3 fois des haricots verts, 3 fois de la courge, ou une variété avec des changements tous les jours. Et donc, on a exactement le même nombre d'aliments présentés dans ces 2 groupes expérimentaux, si ce n'est que dans ce groupe, l'enfant reçoit un aliment différent à chaque repas. Et ce qu'on a montré, donc, c'est que ça favorise l'apprentissage des aliments au moment de la diversification, mais aussi jusqu'à l'âge de 6 ans. On a suivi les enfants de cette étude jusqu'à l'âge de 6 ans et on a mesuré leur appréciation, leur consommation, soit d'un légume nouveau, soit d'un légume déjà connu. Et on voit que c'est les enfants qui étaient dans le groupe variété avec 9 changements qui consomment le plus de légumes encore à l'âge de 6 ans. Donc un effet d'empreinte comportementale lié à la répétition, au programme d'alimentation des enfants dès le début de la diversification. Là, on est au tout début de la diversification, donc qui se maintient jusqu'à 6 ans. Alors, de quelle manière nourrir ? On peut signaler l'importance des styles éducatifs parentaux. Donc, je pense que Nathalie va parler de ça, je vais vraiment passer très vite là-dessus. Simplement pour dire que non seulement donner des aliments de différentes natures va imprimer, marquer sensoriellement l'enfant, mais la façon également de les donner, le contexte dans lequel ces aliments seront donnés, va également fortement moduler l'appréciation de ces aliments. Je ne vais pas détailler plus. C'est pareil, j'avais prévu de parler de la gestion de la néophobie de la sélectivité. Donc comment faire quand l'enfant, malgré tout, malgré les efforts que les parents peuvent faire au début de la diversification,
continuent à rejeter des légumes. Donc, quelques pistes ici. On peut signaler des stratégies qui sont basées sur l'aliment, augmenter sa familiarité, c'est-à-dire l'exposer, éventuellement apporter des connaissances sur l'aliment, mais qui ne seraient pas des connaissances nécessairement nutritionnelles, mais simplement des éléments d'information susceptibles de rendre l'aliment moins nouveau pour l'enfant. Donc, par exemple, lire des livres, faire des jeux sensoriels avec des aliments, on les manipule, on les touche, mais éventuellement en les goûtant. Donc là, on revient sur l'effet d'exposition répétée, les programmes d'éducation sensorielle, et puis aussi éventuellement se baser sur les préférences des enfants en essayant d'accommoder à la marge des plats pour favoriser leur appréciation. Et puis, on a aussi des stratégies qui peuvent être basées sur le contexte de nourrissage, donc en favorisant un contexte chaleureux, sans forcer la consommation d'aliments. Alors, pour aller un tout petit peu au-delà, et ce sera presque la fin, je voulais signaler une revue de la littérature que nous venons de publier avec une étudiante qui va soutenir sa thèse jeudi, qui s'appelle Lucille Marty. Et on s'est beaucoup posé la question de comment promouvoir la consommation d'aliments sains, mais peut-être en évitant d'aborder la question par l'utilisation d'informations nutritionnelles pour peut-être pallier aux effets limités de ce type de campagne que signalait Daniel Néraud tout à l'heure. Donc, on base notre raisonnement sur le fait que le plaisir peut être utilisé comme un levier pour favoriser la consommation d'aliments sains. Et donc, le plaisir qu'on conceptualise en trois dimensions. Donc, la dimension sensorielle, vraiment le plaisir lié à la consommation des aliments, leur goût. Le plaisir lié à la dimension psychosociale, la manière dont on va penser les aliments et la valeur qu'on va leur attacher. Et enfin, le plaisir lié à la dimension interpersonnelle, la convivialité, le fait d'apprécier, de partager des aliments ensemble. Donc pour la dimension sensorielle, comme je l'ai déjà mentionné, on peut favoriser le plaisir dans sa dimension sensorielle à travers les expositions répétées. Dans la dimension psychosociale, c'est un ressort qui est fortement exploité pour la consommation d'aliments non sains. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi utiliser ce ressort pour favoriser et augmenter la valeur des aliments sains aux yeux des enfants, dans un environnement où, au final, ils sont baignés dans un ensemble de signaux qui vont probablement distordre leur vision. Et aussi favoriser la dimension interpersonnelle, donc les interactions sociales autour du repas, qui sont aussi un contexte et un moteur d'apprentissage autour du plaisir alimentaire. Et donc utiliser ce ressort pour favoriser l'éducation à un comportement alimentaire sain. Voilà, donc en conclusion, le comportement alimentaire est appris à partir des expériences dès les premiers âges de la vie, de manière implicite. Il s'établit durablement dès les premières expériences au cours de la diversification alimentaire. Nous avons vu que plusieurs facteurs modifiables peuvent influencer l'appréciation de nouveaux aliments, donc les pratiques d'alimentation ainsi que les styles éducatifs en matière d'alimentation. Donc la question qui reste un peu en suspens, c'est est-ce que les styles éducatifs sont vraiment modifiables? Est-ce qu'on peut modifier la façon dont les parents éduquent leurs enfants? Ça reste une question assez entière, notamment en France, je pense. Et nous proposons aussi que pour promouvoir la consommation d'aliments sains, il faut considérer plusieurs dimensions du plaisir et valoriser ces dimensions du plaisir, donc les dimensions sensorielles, psychosociales et interpersonnelles. Je vous remercie pour votre attention et je remercie mes collaborateurs. Merci beaucoup, Sophie. Je vous propose en fait qu'on prenne une série de questions, mais après le deuxième exposé, de façon à grouper, puisqu'on a quand même, on est dans la continuité de l'éducation alimentaire dans la famille, que donc on écoute Nathalie Rigal, et puis qu'après on prenne une série de questions. Alors pour nos amis qui nous suivent sur Internet, en streaming, je vous propose d'envoyer vos questions, comme je ne sais pas comment on fait, mais enfin. Oui, voilà. Enfin, vous débrouillez. Vous envoyez vos questions on les intégrera dans la série de questions qui suivra. Voilà. Nathalie.
Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Rigal, je suis maître de conférence à l'Université de Nanterre et je suis responsable d'un laboratoire de psychologie de l'enfant qui s'appelle Développement social et émotionnel. Donc on s'est réparti le boulot avec Sophie et moi j'ai eu comme consigne de m'intéresser à la tranche d'âge des enfants de plus de 2-3 ans jusqu'à l'âge du collège donc. Alors, il se trouve que ces 2-3 ans, c'est une période tout à fait charnière dans le développement en raison d'un nombre de changements très importants dans le développement de l'enfant, que j'ai noté ici, qu'on ne va pas avoir le temps de développer, mais qui, tous ces changements, ont un impact sur les deux grandes dimensions du comportement alimentaire, qui sont les quantités consommées, avec à partir de 2-3 ans une très grande variabilité des besoins énergétiques, et par ailleurs les choix alimentaires. Et on va voir qu'à partir de 2-3 ans, on assiste à une période de fermeture, lors de laquelle c'est compliqué pour les enfants de tester notamment de nouveaux aliments. Donc, si on garde en tête qu'une alimentation adaptée repose sur ces deux facteurs, à savoir des quantités ingérées qui correspondent aux besoins et en même temps une alimentation variée, on comprend bien donc qu'il va s'agir de développer des apprentissages et peut-être, dans certains cas, procéder à ce qu'on appelle un soutien à la parentalité. Or, l'âge de 2-3 ans correspond également à un troisième changement qui est celui du passage à la table familiale. Les enfants consomment, s'assoient avec leurs parents, les frères et sœurs, l'ensemble de la fratrie. Et donc, ce que je vous propose de voir, c'est comment les apprentissages alimentaires et la parentalité, que ce soit des quantités consommées ou de la variété, s'inscrit justement dans le contexte social de la consommation qui est très fortement développé à partir de l'âge de 2-3 ans. Donc, on commence par la question des quantités consommées. Et bien évidemment, c'est un secret pour personne, qui vont dépendre énormément de l'âge de l'enfant et des dépenses en termes d'activité physique ou d'activité sportive. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de ne pas donner les mêmes quantités à un enfant de 2 ans, 16 ans. Ça nous semble évident. Et de temps en temps, pour certains parents, c'est un petit peu compliqué, qui ont tendance à donner les mêmes quantités à l'ensemble de la fratrie, quel que soit leur âge et en plus, quelles que soient leurs dépenses énergétiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler sur la taille des portions servies. Et bien évidemment, il y a des grands repères qui existent en termes de quantité qu'il est souhaitable de consommer en fonction de l'âge. Mais le meilleur critère reste très certainement celui de la faim et du rassasiement. Si on maintient chez l'enfant cette capacité à manger quand il a faim et à arrêter de manger quand il est parvenu à rassasiement, on a de grandes chances qu'il consomme en fonction de ses besoins uniquement. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien connues de nous, chercheurs, scientifiques, praticiens, mais des fois un peu oubliées au sein des familles. Alors, une autre dimension qui est très, très peu connue, c'est celle du tempérament qui fait varier les quantités consommées. Donc je vous propose ici un modèle de tempérament alimentaire qu'on a développé dans le labo, qui repose sur deux grandes dimensions. La réactivité de l'appétit, premièrement, c'est le fait qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins excitables, dont l'appétit est plus ou moins excité rapidement et durablement par leur consommation alimentaire. Donc des enfants qui adorent manger, qui sont très vite excités à l'idée de manger, des enfants gourmands, et qui par ailleurs, en termes de durée, cette envie de manger dure plus longtemps que d'autres enfants. Puis une autre dimension, qui est celle de l'autorégulation des prises alimentaires, un enfant qui a une mauvaise autorégulation, et un enfant qui mange fréquemment, longtemps, alors qu'il n'a plus faim, également, on l'a montré, un enfant qui a des prises alimentaires rapides. Ce qu'on a pu montrer, c'est que les enfants qui sont le plus à risque de surpoids sont les enfants qui, d'une part, ont une forte réactivité de l'appétit, qui adorent manger, mais qui n'est pas contrebalancée par une bonne capacité d'autorégulation. Parce qu'en soi, d'être gourmand, d'avoir de l'appétit, d'être excité par la nourriture, ça pourrait même être un facteur favorable, mais ça devient un facteur qui majore le risque de surpoids quand les enfants n'ont pas une bonne autorégulation des prises alimentaires. Donc la question en termes de soutien à la parentalité, c'est si ces enfants qui nous intéressent, ceux qui n'ont pas cette bonne capacité d'autorégulation, est-ce qu'on peut les hétéroréguler ? C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont gérer les quantités consommées, mais ça va venir de l'extérieur, et notamment, puisqu'on s'intéresse aux familles aujourd'hui, des parents. Alors, il se trouve que j'ai marqué les mamans ici, parce qu'on a réalisé une étude où seuls les mamans ont répondu au questionnaire. Donc, de ce fait, je ne peux pas vous parler du rôle des pères dans l'alimentation, qui pourtant, je pense,
est important et en même temps doit se développer. Alors, vous avez ici en haut la restriction imposée par les mamans sur leurs enfants, c'est-à-dire arrête de manger, arrête de grignoter, ne mange pas trop, éventuellement ne mange pas trop parce que tu vas grossir. Et ce qu'on voit dans ce graphique un peu compliqué, c'est que cette restriction parentale a un effet ambivalent sur, en bas, l'IMC de l'enfant, mais en fonction du tempérament de l'enfant. Si vous vous concentrez sur la partie gauche du graphique, vous voyez que plus la maman restreint son enfant, plus l'excitabilité de l'appétit de son enfant augmente. Et comme l'excitabilité de l'appétit induit un risque de surpoids, on voit ici que le fait de restreindre les quantités consommées a un effet protecteur sur l'IMC. En revanche, et c'est paradoxal, la pratique de restriction alimentaire de son enfant a un effet positif sur la persistance de l'appétit. Plus les mamans empêchent leur enfant de manger, moins l'appétit de celui-ci est persistant et de ce fait, moins l'enfant est à risque de surpoids. Ce que vous voyez, donc par ailleurs, maintenant on va se concentrer sur l'intérieur de la figure, c'est la notion des quantités données. On voit que les quantités données ont un impact très fort sur les quantités consommées qui, à leur tour, impactent l'indice de masse corporelle de l'enfant. Donc dans cette étude, on s'est intéressé à cette question des quantités données par les parents, et donc on est bien au cœur de notre sujet, la parentalité dans le domaine alimentaire. En fait, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a proposé aux parents et aux enfants, à 500 enfants, donc de jeunes adolescents, 11 images d'aliments denses. Donc ici, vous avez du gâteau, mais il y avait par ailleurs des saucisses, des frites, du chocolat, des bonbons, etc. Et on a demandé d'une part aux enfants combien ils en consommaient habituellement et d'autre part à leurs parents combien ils avaient l'habitude d'en proposer à leur enfant. Et ce que vous voyez ici, c'est une très très forte corrélation de 0,73 entre les quantités proposées aux enfants et les quantités consommés par les enfants. Et ce n'est pas un effet de halo ici, puisque ce sont d'une part les enfants qui répondent et d'autre part les parents qui répondent. Donc on voit vraiment un lien très très fort entre les quantités données et les quantités consommées. Et donc on s'est intéressé à ces quantités consommées et cette fois en lien, en interaction avec les caractéristiques de tempérament alimentaire de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure et notamment, vous vous rappelez, l'excitabilité de l'appétit. Ce que vous voyez ici, c'est un graphique où en bas, vous avez le niveau de diplôme des mamans. Donc à gauche, les mamans qui n'ont pas le bac et les trois points supérieurs sont des mamans qui ont le bac ou plus. La courbe verte représente les enfants qui ont l'appétit le plus excitable et la courbe bleue, les enfants qui ont l'appétit le moins excitable. Ce que montre ce graphique, c'est que les parents donnent des quantités équivalentes à leurs enfants, quel que soit leur tempérament, sauf dans les familles où les mamans n'ont pas le bac, où les quantités consommées sont données de façon plus importante aux enfants qui ont le tempérament le plus excitable. Alors on s'est demandé, mais finalement, qu'est-ce qui fait que dans les familles où les parents n'ont pas le bac, peut-être les quantités données sont plus importantes en fonction du tempérament de l'enfant. On a poursuivi nos analyses. Et ce qu'on a pu montrer, là, c'est qu'on s'intéressait, on a demandé aux mamans, mais quand vous pensez à l'alimentation de votre enfant, quand vous choisissez les aliments, quels sont les critères qui vous passent par l'esprit? Et à quel point ces critères dictent les choix alimentaires que vous proposez aux enfants? Et ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est que plus les mamans sont diplômées, excusez-moi, moins elles tiennent en compte du goût de l'enfant dans le choix de l'aliment. Et de manière opposée, plus les mamans sont diplômées, plus elles tiennent en compte du critère santé. On peut se dire que peut-être ces mamans qui donnent beaucoup à leurs enfants qui sont excitables, c'est justement, elles ont du mal à les frustrer, ils ont envie de manger et elles leur donnent des quantités importantes parce que ce qui est important pour elles, des raisons dont on pourrait discuter, c'est que l'enfant ait du plaisir quand il mange. Donc, la question des quantités qu'on donne aux enfants, il faut bien comprendre quand même, c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous pouvez vous interroger, vous, mais tiens, quand j'en ai mangé à mon enfant, sur quoi je me base pour juger des quantités? Et en fait, ce qui est sûr, c'est comme les parents sont en général des bons parents, et ce qu'ils veulent, c'est donner la juste dose, ni pas assez, ni trop. Donc, et vraiment, pour eux, la question de la faim est importante, mais en même temps, ils sont souvent dans un rapport un peu ambivalent, où d'une part, ils redoutent que l'enfant n'ait pas assez à manger, ce qui pourrait compromettre son bon développement, et par ailleurs, ils ont quand même, dans le contexte actuel de l'obésité, craignent que les enfants mangent trop et soient à risque de surpoids.
Donc si on se concentre maintenant sur la question de la soutien à la parentalité, pour résumer, on pourrait dire que voilà, l'éducation alimentaire, elle devrait tenir compte, bien évidemment, de l'âge et de l'activité physique en vraiment se concentrant sur ces notions de faim et de rassasiement, mais aussi du tempérament des enfants, et seulement aider les enfants qui ne parviennent pas à le faire, à réguler leur prise alimentaire, mais au moyen de ce que j'appelle, ou ce que des chercheurs anglo-saxons ont pu appeler, un contrôle discret. C'est-à-dire que surtout, l'idée, c'est pas de dire « arrête de manger, tu vas grossir », ce qui a les effets les plus mauvais, et en termes de santé physique et en termes de santé mentale. Donc l'idée, c'est plutôt de servir de petites quantités, de faire en sorte que les prises alimentaires soient consommées le plus lentement possible. Je n'ai pas eu le temps de développer ce point, mais des études ont pu montrer que d'interdire la consommation de certains aliments, ne mange pas du chocolat, des bonbons, des fast-foods, tend à augmenter les prises alimentaires de ces aliments quand ils se trouvent en libre accès. Donc ce n'est pas une pratique qui est recommandée. Et en même temps, surtout afin d'éviter la survenue de troubles du comportement alimentaire, ne pas parler du poids, ne pas parler de la forme du corps au sein des familles, de ne pas stigmatiser les enfants gros. Et ce qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et puis, cette soutien à la parentalité, j'insiste sur ce point-là, bien évidemment, elle ne peut pas être complètement autoritaire, verticale comme ça. Elle doit bien prendre en compte des spécificités familiales, du niveau de diplôme, de connaissances, de rapport de disponibilité économique, mais aussi d'attitude par rapport à l'alimentation et à la santé de l'enfant. Maintenant, donc, on va s'intéresser à la deuxième question, qui est celle de la variété des prises alimentaires, et non plus des quantités alimentaires. Aux alentours de 2-3 ans, comme j'essayais de le dire en introduction, survient deux phénomènes qui sont normaux. C'est l'émergence de la néophobie alimentaire et en même temps le rejet des légumes. Alors, ces deux phénomènes sont à la fois normaux sur le plan statistique, c'est ce qu'on va montrer, mais aussi sur le plan adaptatif. Alors, concernant le rejet des légumes, vous avez ici, j'ai essayé de lister un ensemble de circonstances atténuantes pour les enfants du fait qu'ils n'apprécient pas les légumes en général, bien évidemment avec la variabilité interindividuelle. Donc, il y a le caractère éventuellement amer, la texture de certains aliments, le caractère, Sophie l'a bien démontré dans son travaux, de faible densité énergétique. Les enfants n'ont pas de plaisir à consommer ce qui ne contient pas beaucoup de nutriments et de calories. Le caractère potentiellement toxique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas, mais nous sommes l'héritier de l'homme de Cro-Magnon qui se baladait dans son environnement végétal et qui, en voyant des choses vertes, devait prendre le risque de les goûter en les introduisant à l'intérieur du corps. Et donc, on serait encore l'héritier aujourd'hui, au XXIe siècle, de cette peur ancestrale d'empoisonnement par les végétaux. Au niveau du marché, c'est vrai que les aliments font partie des aliments bruts, hein, très peu transformés. Il y a très peu de marketing, de packaging, de pub autour des légumes. Et donc, dans cet univers hyper transformé, les légumes ont tendance à faire un peu pâle figure. Et puis, j'ai marqué ici la dimension magique, par exemple, la différence fille-garçon de consommation des légumes à l'adolescence. C'est vrai que si l'idée qu'on est ce qu'on mange existe, et il y a quand même cette croyance magique que les légumes, c'est pour les filles, parce que c'est la douceur, la légèreté, etc. Donc, vous voyez... ça, les parents ne le savent pas, mais apprendre à manger des légumes, ça s'apprend. Il faut dépasser cet ensemble de freins pour parvenir à consommer de manière, avec un peu de plaisir, de légumes. Sophie en a déjà parlé, l'émergence de la néophobie alimentaire. Ici, vous avez des résultats issus de la cohorte Opaline, dont Sophie a parlé également. C'est un suivi longitudinal d'une centaine d'enfants entre l'âge de 2 et 8 ans. Et vous voyez qu'effectivement... après 2 ans, émerge la néophobie alimentaire avec un pourcentage d'enfants qui varie selon les études entre 60 et 75% d'enfants néophobes. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de période normale du développement. C'est en tous les cas au moins au sens statistique, mais on l'avait eu aussi adaptatif. La néophobie permettrait de ne pas consommer des aliments potentiellement toxiques la première fois qu'on les goûte. Donc, c'est pareil, élargir son répertoire alimentaire, ça s'apprend. En fait, on a également mené une étude pour s'intéresser à ce qui se passait dans la tête des parents, comment des parents peuvent appréhender ce changement de comportement alimentaire autour de 2-3 ans. Donc, on a mené des
focus group, et il y a des parents tout simplement qui disent, ben voilà, c'est une phase normale du développement, je le sais, il s'oppose à manger des légumes notamment, c'est son besoin de s'affirmer qui est assez classique à son âge. D'autres parents disent, moi je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il est en train de changer de goût. Voilà. Et ce sont des parents qui ont tendance à banaliser la néophobie alimentaire, en fait, ça ne crée pas spécialement d'anxiété chez eux. En revanche, pour certains parents, c'est vraiment une source d'anxiété assez forte, voire de culpabilité. Des parents disent qu'en fait, ils cherchent à me tester, c'est un enfant qui est méchant, qui est capricieux, ou on s'est planté, on l'a mal éduqué, on se sent coupable, on l'a trop gâté, on n'est pas allé assez à l'encontre de ces rejets alimentaires. Donc oui, rassurer les parents aussi, ça s'apprend. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer pour soutenir les parents dans leur apprentissage à l'ouverture alimentaire ? Ben moi aussi, comme Sophie, on est centrés toutes les deux sur cette question d'apprendre aux enfants le plaisir à manger, ben notamment des légumes, si c'est ceux qui posent problème, à travers à la fois des expériences alimentaires et des expériences sociales, que sur chacune de ces points, je vais passer une diapo assez rapidement. Donc déjà, la question d'impliquer les enfants dans la préparation des repas, là, c'est les résultats d'une étude Éducalim qu'on a menée dans la région de Nantes, où c'est en école, pendant 2 ans, on a mesuré en cantine la consommation des choux dans un groupe contrôle et dans un groupe expérimental. Le groupe expérimental a eu de l'éducation alimentaire et notamment des cours de cuisine et ont cuisiné des choux. Et vous voyez que au bout d'un certain nombre de temps d'apprentissage autour notamment de la préparation du chou, eh bien, la consommation du chou à nouveau en cantine a largement augmenté dans les enfants qui ont subi l'intervention, contrairement aux enfants du groupe témoin. Ce graphique, je l'ai mis, mais ce n'est pas la peine que je vous le présente, parce qu'il colle très exactement avec la diapo que Sophie Niclos vous avait présentée sur les enfants dans la première année de vie. On retrouve exactement le même résultat chez des enfants plus grands. Plus un enfant goûte un aliment, plus cet aliment sera accepté. Et ça, c'est quelque chose que les parents ne savent pas. Ce n'est pas si compliqué à mettre en place. Et vraiment, dans la littérature, c'est le processus qui a le plus de soutien expérimental. Alors, ce qu'on appelle le modelage ou l'imitation, certaines personnes disent l'exemplarité, j'aime pas trop ce terme en ce qui me concerne, mais c'est l'idée qui est bien connue en psychologie, que les enfants apprennent par observation, en imitant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'effet du modelage sur la diminution de la néophobie ? Ça, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis sur des enfants de 3-5 ans. On leur a demandé de participer à 5 repas à la cantine, durant lesquels des mangues étaient servies. Et il y avait deux groupes, un groupe d'enfants à qui la mangue était présentée sans autre intervention, et dans le groupe expérimental, il y avait une personne qui était là, un adulte référent, et qui était ravi, et qui montrait, qui témoignait de son plaisir à déguster les mangues. Et vous avez ici la quantité de mangues au cours du temps consommées. Vous voyez que dans le groupe témoin, ça a même un peu tendance à diminuer, alors que la présence d'un modèle ravi de manger des mangues augmente la consommation de cet aliment inconnu. Donc voilà un moyen de diminuer la néophobie. Mais comment ça marche ? Alors, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques. Je vous ai juste mis la 2 diapos qui sont ici du travail de thèse dans mon directeur de thèse, dont certains se rappelleront ici, Mati Kiva, qui a montré qu'il y a une espèce d'imitation sur les mimiques. Il y a une contagion émotionnelle quand on mâche, et ces fameuses cellules miroirs dont on parle beaucoup en ce moment. On apprend dans la relation à autrui. Mais donc, pour que ça marche, eh bien, évidemment, si les écrans interfèrent sont présents durant les repas, ce qu'on constate de plus en plus souvent, sans que j'ai trouvé de chiffres qui nous donnent plus de précision, eh bien, si l'enfant est concentré sur l'écran et non pas sur ce qui se mange et sur les mimiques faciales et ce qui se passe autour de la table, ça l'éloigne de cette possibilité d'apprentissage. Et donc, juste une étude américaine qui montre que si on garde constant un certain nombre de variables économiques, etc., le fait que la télévision soit présente à table diminue la quantité de légumes consommés, mais augmente la quantité de viande rouge, de pizza, de snacks et de soda. Sur les styles éducatifs, vous savez qu'on répertorie dans la littérature 3 grands types de styles éducatifs. Tout le monde n'est pas d'accord sur la terminologie. C'est pour ça que je vous ai mis les 2.
c'est la terminologie en psychologie du développement à gauche et puis une terminologie peut-être plus usuelle à droite, peu importe. Donc les parents autoritaires ou directifs sont des parents qui choisissent, qui font à manger à leur enfant et qui obligent les enfants à goûter dans un contexte assez peu chaleureux, assez autoritaire. Les parents de style démocratique ou incitatif choisissent également ce qu'ils fournissent à manger à leurs enfants, mais leur demandent de goûter dans un contexte plus chaleureux, en y mettant un peu plus de forme. Et enfin, les parents permissifs sont des enfants qui nourrissent les enfants en fonction de ce qu'ils aiment et ce qu'ils en fonction de ce qu'ils aiment. Donc, il y a un contexte chaleureux, mais il n'y a pas d'obligation de goûter des choses que l'enfant n'apprécie pas. Donc, si on résume, les parents, l'enfant qui a des parents autoritaires goûte ce qu'il aime. Ce qu'ils n'aiment pas dans un contexte plutôt délétère. Les enfants démocratiques, ont des parents démocratiques, goûtent ce qu'ils n'aiment pas, mais dans un contexte chaleureux, alors que les enfants de parents permissifs ont tendance à ne pas goûter ce qu'ils n'aiment pas, ce qui empêche l'enfant d'apprendre par exposition répétée. Si vous ne lui proposez que les aliments qu'il consomme, vous ne lui donnez pas l'occasion d'apprendre par consommation répétée à élargir son répertoire alimentaire. Et ce qu'on montre dans la littérature, c'est que eh bien, c'est le style démocratique qui a un meilleur impact à la fois sur la diminution de la néophobie et sur le fait de consommer des aliments qu'on appréciait peu au départ, notamment les légumes. Donc, j'en ai bientôt fini. Plus que deux diapositives, je crois, de conclusion. Un soutien à la parentalité sur les quantités. Donc l'idée, c'est de proposer des quantités adaptées aux besoins et un contrôle discret. J'insiste sur le terme de discret. Pour les enfants, les adolescents qui ont besoin d'aide pour se réguler, rappelons qu'il y a plein d'enfants qui se débrouillent très bien dans leur apprentissage alimentaire et pour lesquels l'idée, c'est surtout de ne pas intervenir. Hein, il y a quand même, si on est sur 15% d'enfants surpoids en obésité, il reste 85% d'enfants qui se démerdent quand même pas mal et il faut pas les oublier. Sur les choix alimentaires, un apprentissage au plaisir, dans un contexte serein. Pour les enfants, l'alimentation peut varier et les petits consommateurs de légumes, dont on sait qu'ils sont assez nombreux, mais toujours de manière non autoritaire. C'est pour ça que je préfère le terme de soutien à la parentalité que d'éducation alimentaire. Donc, il doit tenir compte des spécificités familiales, économiques, culturelles, en lien avec les représentations des parents de l'alimentation, de la santé, du bonheur, de la minceur, etc. Donc, pour résumer, apprendre à manger au sein de la famille, ça ne passe pas par des cours. Voilà, on ne doit pas dire à son enfant « mange des légumes, c'est bon pour la santé », ce n'est pas efficace. L'enfant ne doit pas être considéré comme un élève, mais comme un apprenti. Donc l'idée, c'est d'apprendre en observant ce qui se passe au sein de la famille et de tâcher de s'approprier les normes culturelles et sociales de la famille. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je vous propose une première série de questions. Pendant que vous les préparez dans vos têtes, peut-être une première, je pense, enfin, pour vous deux, mais peut-être plus pour Sophie. Sur l'allaitement, il y a une question qui nous est venue via Internet en disant, mais finalement, l'allaitement, on n'en a pas parlé, mais est-ce que ça... Enfin, quel rôle ça joue dans la plus ou moins grande facilité ensuite à diversifier l'alimentation, à être ouvert au changement, etc. Merci. J'imagine que je reste là. Pour l'allaitement, en fait, il y a plusieurs interprétations dans les effets de l'allaitement. D'une part, une interprétation sensorielle. Les arômes qui parfument les aliments consommés par la mère vont passer en partie dans le lait et vont pouvoir être perçus par l'enfant. Et l'exposition à ces arômes, par l'effet de variété qu'on observe, que j'ai signalé par exemple au moment des apprentissages à la diversification, a aussi un effet facilitateur sur l'acceptation d'aliments nouveaux auxquels l'enfant est exposé au moment de la diversification. Donc il y a vraiment un phénomène adaptatif remarquable où l'exposition à ces arômes prépare l'enfant à l'appréciation des aliments de sa culture alimentaire. Donc ça, c'est la première hypothèse pour expliquer l'effet favorisant de l'allaitement. La deuxième, c'est le fait que dans l'allaitement au sein, souvent l'enfant est nourri à la demande. Et donc, on se repose sur ces signaux de faim et de rassasiement
pour le laisser réguler sa prise alimentaire. Donc, comme l'a bien souligné Nathalie, c'est un phénomène important qui permet de favoriser ses capacités d'autorégulation. Et donc, dans l'allaitement à la demande, la mère n'a généralement pas accès aux quantités consommées par l'enfant. Elle ne peut pas forcer à terminer, comme ça peut être le cas avec un biberon. Et donc, ça laisse l'enfant vraiment se réguler en fonction de ses signaux internes de faim et de rassasiement. Donc, dans des études américaines, il a été montré que ce fait de pouvoir se nourrir au sein vraiment était associé à des meilleures gestions des quantités ultérieurement, enfin, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et la dernière hypothèse, c'est aussi que l'allaitement favoriserait un contexte plus proche, donc un contexte émotionnel peut-être plus chaleureux qui aide l'enfant dans son développement. Il y a peut-être moins de soutien à cette hypothèse, enfin en tout cas ou moins directement lié aux apprentissages alimentaires. Merci. Donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester pendant que Chloé s'approche avec le micro. Il y a une autre question qui est un petit peu technique, c'est la question de exposition. Vous avez parlé toutes les deux, soit d'exposition répétée, soit de consommation répétée. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme une exposition ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, une exposition cognitive à des aliments, le fait d'en parler, de les voir, etc., joue un rôle de la même façon que dans... que goûter un petit peu. Quand on dit, toujours on entend ça dans les familles, tu pourrais au moins goûter. Et là aussi, selon que c'est plus ou moins, l'injonction est plus ou moins forte, les résultats, j'imagine, sont un peu différents. Alors, au niveau d'exposition-consommation, donc... le but, c'est que l'enfant goûte, déjà, dans un premier temps. Donc, sur vraiment le premier apprentissage, la découverte du goût du légume, par exemple, il y a vraiment cette idée de familiarisation, et donc pas forcément un objectif quantitatif, et donc on n'est pas obligé d'imposer une quantité importante. Ça, c'est vraiment important, surtout pour les tout premiers apprentissages. Donc, après, sur le fait de... Est-ce que l'exposition cognitive va jouer un rôle également ? Là, il y a quelques travaux, donc des travaux anciens qui postulaient plutôt qu'il fallait vraiment une exposition, goûter l'aliment, pas simplement y être exposé visuellement pour augmenter la consommation de l'aliment. Il y a des travaux plus récents qui montrent que le fait de lire des livres aux enfants dans lesquels on parle de légumes... permet de familiariser les enfants, de leur faire connaître ces aliments qui, sinon, sont des objets complètement inconnus pour eux. Et donc, un effet vraiment favorable de ces apprentissages, et même quand les livres sont lus très précocement, en tout cas, ça améliore la capacité de l'enfant à vouloir bien goûter ces légumes, donc accepter des expositions. Et d'autres travaux montrent aussi que le fait de jouer avec des légumes, donc là, c'est des travaux conduits en Angleterre, par Hélène Coulthard, qui montre que le fait de manipuler des légumes, les couper, les triturer, jouer avec, faire des jeux comme si c'était des cubes, permet aussi de favoriser l'appréciation et le fait d'être d'accord pour goûter. Donc, il y a vraiment l'idée de faire connaître l'objet et familiariser l'enfant avec ses caractéristiques. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathalie. Non, c'est parfait. Si l'allaitement est si favorable, enfin, je crois que c'est assez partagé comme idée, pourquoi n'assure-t-on pas la promotion plus qu'on ne le fait dans ce pays et ailleurs ? Ça faisait partie des objectifs du PNNS, le soutien à l'allaitement. En tout cas, dans les actions de santé publique qui pouvaient être mises en place au niveau de l'alimentation. Après, dans les faits et dans la pratique, pour les mères qui reprennent le travail à 2 mois et demi, c'est quand même un peu compliqué de poursuivre l'allaitement. Et ce qu'on voit, on a vu ça notamment dans des données de la cohorte ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, on voit que la reprise du travail, souvent, entraîne une anticipation et un arrêt de l'allaitement anticipé. Et aussi, ce qu'on voit également chez les mères françaises, c'est que l'anticipation du début de la diversification est aussi associée à un arrêt de l'allaitement, en fait. Alors qu'on peut très bien allaiter, continuer à allaiter et commencer à diversifier son enfant.
Donc après, les raisons du manque de soutien à l'allaitement, je pense que ce serait très long, mais je pense qu'on peut aussi regarder du côté des professionnels de santé, enfin, qui sont en première ligne après la naissance, et de l'aide qui est apportée aux mères pour le soutien à l'allaitement, qui est variable. Merci. Peut-être on pourrait revenir sur la question de la familiarité avec les produits. Là, via Internet, donc, nous sont arrivés plusieurs questions ou remarques sur cette affaire-là. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la DME, la diversification menée par l'enfant. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il faut quand même, j'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation alimentaire. C'est pour ça que je peux animer cette conférence. Diversification menée par l'enfant, DME. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous voyez ? Et lié à ça, l'idée, effectivement, que tu as un peu évoquée, mais peut-être sur laquelle on peut continuer à élaborer un tout petit peu, c'est cette idée de familiarité avec les aliments. Les écoles Montessori ont été évoquées aussi par des internautes sur l'idée d'avoir une familiarité totale, c'est-à-dire qu'effectivement, de savoir tout simplement que les légumes existent, savoir ce que c'est, et puis de pouvoir en avoir un contact sensoriel avec ces aliments, même si on ne les mange pas, mais faire quelque chose. Quoi, voilà. Alors, sur la DME, je vais bien répondre. Après, je passerai le micro à Nathalie. Donc, la diversification menée par l'enfant, c'est une stratégie de diversification qui a été proposée dans les pays anglo-saxons depuis quelques années, où on propose finalement une diversification sans passer par une étape aliment réduit en purée. Et donc, en général, la diversification commence un peu plus tard, vers 6 mois, quand l'enfant commence à être prêt à une coordination suffisante pour pouvoir tenir des aliments dans sa bouche, dans sa main, pardon. On lui propose directement des aliments donc non transformés, des petits bâtonnets de carottes, de concombres ou de viande, avec l'objectif d'arriver beaucoup plus vite à solliciter ses capacités d'alimentation orale et sa gestion des textures. Donc il y a eu beaucoup de débats autour de la diversification menée par l'enfant dans les pays anglo-saxons. Est-ce que c'était bien de le faire ? Est-ce que ça allait pas entraîner les risques de fausses routes et plus de fausses routes chez ces enfants ? Est-ce qu'on n'allait pas observer finalement une diminution des apports énergétiques au moment de la transition, puisque l'enfant n'a pas encore développé ses capacités orales et donc c'est très compliqué pour lui d'arriver à gérer ces nouvelles textures qu'il ne connaît pas ? Donc il y a un certain nombre d'études observationnelles qui ont déjà été publiées sur la diversification menée par l'enfant. Et là, récemment, en Nouvelle-Zélande, il y a eu un essai d'intervention qui s'appelle BLIS. En fait, c'est une adaptation de la diversification menée par l'enfant où on propose quand même au début de chaque repas un aliment riche en fer et un aliment de forte densité énergétique pour que l'enfant n'ait pas cette baisse des consommations qui a pu être observée dans certaines études observationnelles. Et ensuite, on lui propose des aliments à la texture non modifiée, donc pour développer ses capacités de mastication. Et dans ce cas-là, il n'y a pas plus de fausses routes et le développement en termes de croissance de l'enfant est similaire dans le groupe BLIS, dans le groupe contrôle. Donc on peut imaginer que c'est finalement une pratique qui a peut-être son intérêt pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Néanmoins, sur la question des textures, on observe que les parents français sont très frileux, beaucoup plus frileux que les parents anglo-saxons. Et donc, on voit que c'est une pratique qui commence à émerger. Dans une enquête qu'on a faite, elle était pratiquée par 2% des parents français. Donc, c'est vraiment quelque chose d'émergent, mais qui semble plutôt contradictoire avec la manière classique de conduire la diversification en France. Très bien. Une question donc, qui nous est arrivée via... Oui. Ça va ? Non ? Sur la question des rejets précoces de certains aliments, donc de certaines formes de néophobie qui ne serait pas la néophobie dont tu nous as parlé, qui est bien datée dans son apparition, mais des formes plus précoces de néophobie où des enfants plus petits rejetteraient systématiquement certains types d'aliments pour des raisons qui ne seraient pas, j'imagine, des raisons d'intolérance ou des choses comme ça, mais plutôt de goût. Ça existe, ça, ou pas ? Le terme néophobie, ça implique que l'enfant, il ait connaissance de ce qui est familier et inconnu. Donc ça suppose un développement cognitif qui est quand même suffisamment achevé, donc
C'est difficile de parler vraiment de néophobie en sens de reconnaître l'aliment inconnu. En revanche, oui, autour de la diversification, on voit des enfants qui ont des problèmes de rejet alimentaire. Je ne pense pas que du coup on puisse les appeler néophobie. Ce n'est pas lié au fait que l'aliment soit nouveau. C'est des problèmes de texture, des problèmes d'intolérance, des problèmes de fausse route. Je crois qu'une des internautes parlait de la question de la viande. Il y a des enfants qui ont des rejets autour de la viande parce qu'ils ont fait des fausses routes et c'est un événement traumatisant qui aboutit à ce qu'on appelle les phobies de déglutition. Donc je pense qu'on doit vraiment plutôt réserver le terme de néophobie à l'enfant à partir de 2 ans et parler de rejet alimentaire chez les plus jeunes. D'autres questions ? Philippe Claus, par anticipation. Non, mais pour des questions, deux questions presque de méthode. Alors l'une un peu culturelle. On parle de moindre appétence des légumes chez les enfants. Simplement, dans un pays de la gastronomie, le légume, ça peut se préparer de manière très, très différente. Et vous pouvez détester le poireau cuit à l'eau et adorer la fondue de poireau où vous mettez autant de crème que de poireau. C'était une première question. Non, mais très sérieusement, qu'est-ce qu'on propose à un enfant comme légume ? Est-ce que c'est strictement du légume cuit à l'eau ou c'est du légume où on peut ajouter d'autres appétences ? Et deuxième question pour vous, madame. Quand vous avez dit à la fin de votre exposé que, vous n'avez pas dit proscrire, mais enfin, il y avait une croix sur votre diaporama sur donner du sens à ce qu'on fait en éducation. Quand vous avez dit à un moment donné, c'est pas la peine de leur dire que c'est bon pour la santé. Ça m'interroge, tout simplement, parce que ça fait 40 ans que je dis qu'il faut donner du sens aux apprentissages et que ma petite fille, quand je lui donne des antibiotiques avec le machin, elle n'aime pas, c'est clair. Alors je lui dis, c'est quand même bon pour ta santé. Puis alors là, je ne suis pas démocrate du tout, et je lui dis, tu n'as pas le choix en plus. La première question, c'était... C'était sur... Les aliments, mais je pense que Sophie a des éléments expérimentaux sur lesquels elle peut répondre. Effectivement, il y a de plus en plus de parents qui proscrivent l'utilisation de matières grasses dans la préparation des légumes parce qu'ils sont obsédés par la question du surpoids de l'obésité. Or, Sophie a des éléments pour vous répondre que c'est une très mauvaise chose, effectivement. Non, mais c'est vrai que la préparation culinaire, ça va jouer énormément. Enfin, alors, c'est vrai pour les légumes, c'est vrai pour d'autres aliments qui, mal préparés, sont beaucoup moins plaisants à consommer, en fait. Donc, effectivement, on pourrait aussi conseiller aux parents d'acheter un livre de recettes simple et efficace pour favoriser les apprentissages. Bon, il y a énormément de dispositifs qui sont disponibles de nos jours pour accéder à des recettes. Enfin, bon, l'univers est inimaginable. Mais les parents s'en emparent. Dans l'étude opaline qu'on avait faite, quand on demandait aux parents d'indiquer les nouveaux aliments introduits, ils devaient donner des précisions sur les recettes utilisées. Et nous, on pensait à la carotte en purée, les haricots verts en purée. Enfin, on a obtenu 5000 recettes différentes. Enfin, c'était un univers vraiment faramineux, en fait. Donc, on a encore, en tout cas dans cet échantillon, des traditions culinaires qui sont maintenues. Alors, pas forcément à tous les repas, mais en tout cas, on voit que les parents sont capables de s'en emparer. Après, c'est un peu empirique. Et qu'est-ce qui va le mieux fonctionner ? Bon, c'est aussi appris, évidemment, sous l'effet des expériences, quoi. Et donc, pour répondre à votre deuxième question, la question du sens des apprentissages. Ce que je voulais dire, c'est que les apprentissages nutritionnels sur c'est bon pour la santé, effectivement, n'ont pas d'impact. Dans un premier temps, c'est montré sur le plan expérimental chez jeunes enfants. Mais pourquoi ça n'a pas d'impact ? C'est important de le comprendre. Vous dites à des adultes d'arrêter de fumer qui vont avoir le cancer, ça ne marche pas. Imaginez cette phrase chez les enfants, de faire un lien sur, d'une part, l'alimentation et la santé, ils ne le comprennent pas, comment cette chose, une pomme, peut se transformer dans des nutriments qui vont faire qu'ils sont en meilleure santé. Le terme même de santé, ils ne le comprennent pas. Pour eux, être en bonne santé, c'est ne pas être enrhumé, de ne pas avoir la grippe, de ne pas avoir mal quelque part. Et l'effet du long terme, c'est vraiment quelque chose de préserver sa santé maintenant pour ne pas avoir de cancer à 50 ans, qui est bien loin de leur conscience. En revanche, donc je suis contre l'éducation nutritionnelle chez les jeunes enfants. En revanche,
On peut faire du sens aux apprentissages autour de la notion de plaisir, de partage, de sensorialité, de tout ce que les exposés d'après vont montrer. Donc il y a quand même du sens, mais à l'éducation sensorielle alimentaire et non pas à l'éducation nutritionnelle. Et surtout, c'est pas aux enfants de faire des choix, il faut les libérer de tout ça. Donc effectivement, il faut le faire de manière un peu, voilà, quand on leur dit c'est des légumes et tu n'auras rien d'autre à manger, c'est une manière d'être autoritaire, mais on peut le faire aussi dans un contexte chaleureux et du coup l'enfant apprend à avoir du plaisir à manger des légumes. Juste pour reprendre une anecdote peut-être qui illustre aussi ce que Nathalie vient de dire, parce qu'on est d'accord sur ce point, c'est Vincent Boggio, un pédiatre avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui me rappelait hier qu'il avait une petite fille en consultation qui avait une otite et qui lui a dit « Je ne comprends pas, pourtant j'ai mangé des brocolis ». Très bien, mais voilà. Ah, je vois encore deux questions, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je voudrais pas qu'on Merci pour ces exposés qui résument et synthétisent des années de vos travaux respectifs. La question que je voulais vous poser, on ne parle plus maintenant des goûteurs et des non-goûteurs. À une certaine époque, on avait mis en évidence le fait qu'il y avait des différences de sensibilité à l'amertume entre différents enfants et que ceci pouvait expliquer sur des bases finalement physiologiques certaines réticences à consommer des légumes. On n'en parle plus de ça maintenant ou si ? Parce que... Si, on en parle largement. Simplement, on avait Sophie et moi 20 minutes pour présenter, donc on n'a pas pu présenter l'ensemble des facteurs qui sont impliqués dans les différences interindividuelles. Mais oui, bien sûr, il y a des enfants qui, génétiquement, ont une sensibilité plus grande à, tu l'as noté Bernard, à de l'amertume, mais aussi à des textures, à tout un ensemble de facteurs. Et pour ces enfants-là, les apprentissages seront plus longs, plus difficiles, mais ils sont toujours tout à fait possibles. Mais donc entièrement d'accord. Après, ce qui reste à bien comprendre et là où on doit encore progresser, je pense, c'est est-ce que ce sont ces différences-là qui sont les plus importantes ou, comme l'a signalé Nathalie, des différences plus générales de tempérament alimentaire et de réactivité aussi à l'environnement alimentaire. L'amertume, et notamment, enfin, ce qui a été signalé il y a quelques années, c'est un composé amer qui correspond à un des 25 récepteurs à l'amertume. Mais plus largement, il y a des différences individuelles et je pense qu'ils doivent être aussi comprises pour apporter un soutien à la parentalité, pour reprendre l'expression de Nathalie, qui soit peut-être aussi adapté au tempérament de l'enfant, en fait, qui peut être difficilement modifiable. On a deux questions encore dans la salle et puis après on va clore cette séquence de discussion. Oui, bonjour, moi j'aurais une question sur le rôle éventuel du microbiote, qui est un sujet de recherche actuel et qui pourrait faire partie des facteurs, puisque ces enfants ont un microbiote en construction, il pourrait probablement y avoir des interactions très fortes sur leur mode d'alimentation. Tout à fait. Alors, on sait qu'au moment de la transition, enfin, de toutes les transitions que l'enfant subit, la naissance, il va être contaminé par le microbiote de sa mère au moment de la naissance, donc de manière différente selon que la naissance se fait par voie basse ou par césarienne. Le lait maternel contient aussi un microbiote finalement le microbiote du lait maternel résulte aussi de l'interaction avec le microbiote de la orale, de la bouche de l'enfant. Donc on voit un développement d'interaction assez complexe. Évidemment, avec le passage à la diversification alimentaire, où on introduit des aliments de différentes natures, des fibres, enfin d'autres aliments qui ne sont pas nécessairement présents avant, on va avoir aussi une adaptation en termes de microbiote intestinal chez l'enfant. Mais ça, c'est une de mes questions, en fait, pour laquelle je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui. J'attends peut-être de trouver des financements pour le tester. Mais on parlait des rejets au début de la diversification. Est-ce qu'une partie de ces rejets peut être expliquée par un défaut d'adaptation intestinale qui pourrait freiner l'enfant, finalement, dans sa découverte des nouveaux aliments? Et donc, voilà, c'est une question. Peut-être que si on refait une séance dans quelques années, on aura des réponses, des éléments de réponse à cette question. Mais à ma connaissance, ce n'est pas vraiment exploré encore. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire, effectivement, qui synthétise beaucoup d'éléments et de contributions de recherche.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'idée de comment promouvoir finalement une meilleure alimentation sans trop passer par les messages nutritionnels, puisque vous êtes assez d'accord là-dessus toutes les deux. Et j'ai bien compris qu'il y avait une médiation parentale essentielle pour organiser l'exposition répétée, pour effectivement faire que les interactions au moment de la prise de repas, la prise alimentaire se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de stress. Mais je me demande s'il n'y a pas une médiation un petit peu absente que vous avez quand même évoquée, qui est la médiation médiatique, tout simplement, puisqu'on sait très bien que les chaînes télé, tous les médias qui s'adressent aux enfants et qui font du contenu culturel pour les enfants, ben, ont une régie publicitaire, et que sur les jeunes enfants, l'âge que vous évoquez, les deux produits les plus marketés, on va dire, c'est les aliments et les jouets. Donc ma question, elle porte sur les croyances que vous avez bien mises en valeur, en montrant, comme par hasard sur les croyances, ben, beaucoup de propriétés intellectuelles liées à des dessins animés, à des personnages, à des marques très fortes. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi creuser cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation directe entre l'enfant et l'aliment, ou au moins médiatisée par les parents, elle est d'accord, donc elle est un peu indirecte, mais il y a aussi le rôle des médias qui peut être extrêmement structurant dans les croyances que l'enfant développe à propos des aliments. C'est ce que j'ai essayé de dire peut-être autrement, effectivement, je suis d'accord. Après, à quel âge ? La question, pour moi, c'est vraiment à quel âge ? Et bon, moi, je devais couvrir les trois premières années, donc il ne me semble pas que ce soit forcément la direction dans laquelle il serait souhaitable d'aller pour ces trois premières années. Après, au-delà, effectivement, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire, on voit que les enfants sont confrontés à des messages publicitaires qui les amènent à attacher une valeur particulière à certains aliments extrêmement marketés. Et ce qui est en défaveur, ce que disait aussi Nathalie, des légumes enfin, ou d'autres aliments beaucoup moins marketés. Et donc, effectivement, cette médiation, elle semble nécessaire, puisque la médiation familiale ne peut pas jouer ce rôle-là, et l'enfant est exposé à ces messages. Donc, la question, c'est qui va payer pour ça ? Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous pour vos questions.